Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale Star Wars. Alors je ne vais pas vous mentir, moi ce que je préfère dans Star Wars, ce ne sont pas les combats au sabre laser, ni ceux entre X-Wing et TIE Fighter. Moi ce que je préfère, ce sont plutôt les poils. Et oui, j'ai bien dit poils. Alors non, pas ça, ni ça, parce que ça, c'est vraiment dégueu, mais plutôt, devrais-je dire, les personnages de Star Wars avec des poils, que ce soit les Ewoks, je vais te manger, les Wampa, et non pas le groupe des Vampas, bien qu'il est très très cool, les Porgs, mais surtout nos amis les Wookiees et particulièrement Chewbacca. Il est trop mignon Chewbacca. Et j'ai eu il y a quelques temps la possibilité de pouvoir m'entretenir avec le très sympathique acteur Jonas Suotamo qui depuis l'épisode 7 de La Guerre des Étoiles remplace le regretté Peter Mayhew, immense de par son charisme mais aussi de par sa taille car il mesurait quand même 2m21 à cause du syndrome de Marfan dont il souffrait dans le légendaire rôle de Chewbacca. Et je voulais partager tout ça avec vous, donc j'espère bien sûr que cette interview vous ravira la moustache. Hello Jonas, we come back. Hey Nicholas, my old friend, how are you? It's been so long. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Yes, yes. So, I'm a very big fan of Star Wars and Chewbacca is one of my favorite characters. So, I have some questions for you. The first is, what it like playing such a legendary role? Unbelievably grateful from day one, but I couldn't expect how grateful the fans would be of the way I performed the role, and I've been amazed by how lenient they have been as far as to my performance as Chewbacca, because I wanted to do it well, and I knew I couldn't never replace Peter Mayhew, so I wanted to do it, you know, my own version of it as well as I could. And people have, you know, they've seen that I tried to bring the essence of Chewbacca into the character. So I've been really blessed and thankful for that reception. So thank you. Can you say in Chewbacca languages, it's time to eat porg? Okay, yeah. Thank you. And who is your favorite character in Star Wars? Oh, my favorite right now, it's this guy, Chewbacca. This guy, yes. Right here. Yes. it's got to be. I got to show some love for the original, the OG. And to finish, who would win in a fight between Ewoks and Wookiee? Between Ewoks and Wookiee. Well, Ewoks, they know the knots, man. They know the ropes and the knots. So I don't know. I don't know. They might. all they had to do is put some pork legs on display and put a trap and release that trap. So yeah, it would not be a long fight at all. Yes, thank you. It was very great to speak with you. I love it. And do you know if you go in the series Obi-Wan Kenobi, perhaps? Well, we're just gonna have to wait and see. No spoilers for anything. I've learned that these shows, you know, they could have so many surprises and nothing. I don't want to give anything away. And is it good you surf? Say what? Is it true you surf? Because I've done wake surfing, but yeah, so yeah, I guess so. Yeah. Thank you. Thank you, Jonas. It was a very good time to speak with you. Take care of yourself and see you next time. True. Thank you so much. Great questions. Bye Nicholas. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à la partager autour de vous et à dire que la chaîne, elle est très très cool. Et surtout, n'oubliez pas que là où il y a du poil, il y a toujours de la joie. Sur ce les amis, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.